Dans l'actualité, le soutien réitéré de l'Algérie à la cause palestinienne, rejet des génocides commis par les forces d'occupation contre des civils sans défense, une dénonciation à l'issue de la réunion du Haut Conseil de sécurité. Sur le terrain de Gaza, les bombardements se poursuivent et les cortèges de martyrs s'allongent avec plus de 2800 morts dans les raids de l'occupation. Le Conseil de sécurité de l'ONU refuse d'adopter une résolution pour un cessez-le-feu alors que les armes continuent de parvenir à l'occupation israélienne. Journée nationale de l'émigration, le président de la République s'incline à la mémoire des Shuhada du 17 octobre 61 et salue le sens du patriotisme de la communauté algérienne établie à l'étranger. Une minute de silence a été observée à travers le territoire national à l'occasion de cette commémoration, notamment au Conseil de la Nation, où la déclaration de politique générale du gouvernement est présentée ce mardi. À retenir également la réunion ministérielle Afrique et pays nordiques à Alger, une rencontre qui enregistre une participation record. Le ministre de la Santé installe un comité chargé d'élaborer une loi cadre sur la prévention et les risques sanitaires, une revendication des professionnels. Madame, Monsieur, bonjour. L'Algérie réitère son soutien à la Palestine. Elle réaffirme son rejet des génocides systémiques commis par les forces d'occupation dans les territoires palestiniens occupés contre des civils sans défense. La réunion du Haut Conseil de sécurité présidée par le chef de l'État souligne une nouvelle fois l'attachement de l'Algérie à l'établissement de l'État de Palestine avec Al-Quds pour capitale sur les frontières de juin 67. Ce droit légitime est dénié aux Palestiniens par l'occupation israélienne qui continue de bombarder avec violence les civils dans la bande de Gaza. Le bilan est passé à plus de 2800 martyrs. Une situation humanitaire catastrophique face à des aides qui demeurent bloquées aux frontières égyptiennes et un acharnement qui pourrait se renforcer avec l'arrivée d'un deuxième porte-avions américain dans la région. Le génocide ne concerne pas que Gaza. Les Palestiniens en Cisjordanie ne sont pas épargnés d'Estrie. Effectivement, l'entité sioniste a mené une vague d'arrestations sans précédent en Cisjordanie, à Ramallah et à Al-Khalil notamment. À Jenin, les forces de l'occupation ont ciblé des élèves palestiniens dans l'école de Taïba par des bombes assourdissantes et du gaz lacrymogène. Tandis qu'à Gaza, le cauchemar ne s'arrête pas. Le centre a violemment été bombardé. 80 martyrs rien que ce matin, alors que la diplomatie palestinienne évoque carrément un projet sioniste de nettoyage ethnique. Donc, la lutte armée reste la solution selon Hamas. Les brigades Al-Qassam ont ciblé des positions ennemies à Tel Aviv, Asqalan et Taslim, mais le porte-parole des brigades Al-Qassam a tenu à réagir sur un point d'une importance cruciale, les prisonniers de guerre. Abu Ubaida a affirmé que les 200 voire 250 prisonniers sionistes sont traités avec le respect des droits de l'homme, en ajoutant que 22 d'entre eux sont morts suite au bombardement sioniste aveugle qui a ciblé Gaza. Nous allons faire une halte au poste frontalier de Rafah, près du poste de Rafah où sont réfugiés des centaines de milliers de civils palestiniens. Mohamed Younes a fui avec sa famille. L'air est saturé par une atmosphère de mort. Les bombardements sont tout aussi intenses que dans le nord de Gaza. On écoute donc ce témoignage recueilli par Rabea Slimani. C'est très difficile pour moi, pour ma famille. J'avais un appartement au centre-ville de Gaza. Je quitte mon appartement, je quitte ma famille, mon appartement. Je suis allé vers le sud de Rafah. Hier soir, le bâtiment a été bombardé par une raid israélienne. La situation actuelle à Gaza est véritablement difficile. Une tragédie humanitaire en cours. Alors, il y a beaucoup d'immeubles résidentiels sont violemment pris pour cible par des bombardements. L'air est saturé d'une atmosphère de mort. Les habitants redoutent la nuit. Alors moi, je redoute la nuit. Il n'y a pas le Christi, il n'y a pas Internet. On attend la mort peut-être, on attend les raids israéliens. Donc des Palestiniens qui se sont déplacés mais qui refusent de traverser la frontière, qui refusent l'exil. La situation au Proche-Orient face au génocide perpétré par Israël, la résistance continue et dépasse les frontières de la Palestine occupée, Elias Tarini. Absolument, avec notamment des échanges de tirs et de bombardements entre l'entité sioniste et le Hezbollah libanais. On rappelle également qu'au sud Liban, à Al-Mashab, un journaliste de l'agence Reuters est mort suite à un bombardement sioniste. D'autre part, l'aéroport d'Alep en Syrie a été bombardé par Israël. S'ajoute à cela les mises en garde de l'Iran. On écoute le président du comité tunisien de soutien à la cause palestinienne, Ahmed Kahlaoui.
sous la domination d'un ennemi, vous n'avez qu'à commencer à lutter. Les Arabes, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes entre nous-mêmes. Il faut continuer. Le prix peut être important, mais il s'agit de la terre, il s'agit de l'honneur aussi de notre peuple. Donc, au niveau régional, la Syrie s'est donnée à la cause arabe depuis sa naissance. Hezbollah reste l'essentiel dans ce combat, parce que Hezbollah a donné beaucoup de réussite pour nos peuples depuis que les Israéliens ont quitté le Liban. Le Liban a une position de principe. Parmi ces principes, c'est de défendre la cause arabe en Palestine. Ces pays du Golfe, ces dirigeants du Golfe ont une grande responsabilité. Et selon l'analyste jordanien Hassem El-Omari, l'influence des États-Unis dans la région et la pression populaire des peuples arabes avec de nombreuses manifestations en soutien au peuple palestinien peuvent avoir un impact important sur la situation. Les possibilités que cette guerre s'étende aux voisins, je pense que c'est ce que les Israéliens et avec eux les Américains essayent d'empêcher. Les régimes arabes en place, à commencer par la Jordanie, mais pas seulement, ne souhaitent pas évidemment. Je pense que la pression populaire va augmenter. Le Hezbollah, il a exprimé son soutien à la résistance, que le Hezbollah réagisse, essaye de provoquer et de monter la pression sur Israël, mais de là une guerre ouverte dans la région, je crois qu'on est loin un peu encore. La sauvagerie israélienne, les crimes commis à Gaza peuvent changer les choses. Et d'un côté, Israël a beaucoup d'intérêt à ce que ça ne se développe pas. De l'autre côté, le Hezbollah, il a beaucoup de calculs internes liés à la situation interne au Liban. Et les Occidentaux refusent de stopper les fusions de sang. Un projet de résolution présenté par la Russie appelant à un cessez-le-feu dans le conflit a été rejeté par le Conseil de sécurité onusien. Pour le géopoliticien Bruno Drouvski, l'Occident va aller jusqu'au bout pour défendre la machine de guerre israélienne. Il répond à Rabea Slimani. Pays occidentaux défendent jusqu'au bout, aident Israël à attaquer jusqu'au bout parce que Israël, finalement, c'est le bastion de l'impérialisme occidental qui coupe le monde arabe en deux et qui doit être maintenu à tout prix. Donc, on voit la solidarité des élites occidentales avec l'État sioniste évidemment renforcée. Le fait que la résolution venait de la Russie, qui est une façon aussi de montrer que le conflit avec la Russie, entre les pays de l'OTAN et la Russie, continue et qu'il est exclu d'accepter quoi que ce soit qui vienne de la Russie, que ce soit sur le dossier, disons, ukrainien et plus largement est-européen, et ou le dossier moyen-oriental. Le bloc occidental fait des blocs contre toute alternative, dans quelque région que ce soit. Et la puissance occupante est soutenue par un arsenal de guerre sans précédent. Les États-Unis envoient un second porte-avions au large de la Méditerranée. Soutien militaire et engagement sans faille. Le président américain Joe Biden est attendu demain en Israël. Blinken a rencontré de grosses réticences, il a fait des allers-retours tout au long de la semaine écoulée et le résultat c'est que symboliquement on fait venir Biden en Israël, le signe de force que les Américains veulent montrer. Ils ont une grande peur évidemment que le conflit s'étende au front libanais voire au front syrien et c'est évidemment une démonstration de force alors que c'est évidemment le nombre de missiles que les Libanais ont en réserve, sans parler évidemment des Iraniens, et c'est donc une démonstration de force face à cet éventuel second front, puisque les résistants d'autres pays arabes et les Iraniens ont annoncé évidemment qu'ils ne pourraient pas accepter une prise de contrôle de Gaza par Israël. Et le carnage dans les territoires palestiniens occupés s'invite à la réunion ministérielle Afrique et pays nordiques ouverte ce matin à Alger. Dans son intervention, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a appelé à l'intervention rapide de la communauté internationale. Ses propos sont recueillis par Rimbo Kadoum. La situation tragique que vivent nos frères palestiniens dans les terres palestiniennes occupées, en particulier dans la bande de Gaza, encerclée et bombardée au vu et au su de tous, sans prendre en considération les simples valeurs humaines et sans reconnaître les droits internationaux. L'Algérie réitère sa solidarité totale avec le peuple palestinien et appelle la communauté internationale à un élan urgent de solidarité pour sauver les plus vulnérables, les opprimés et mettre un terme à cette agression et œuvrer à réactiver le processus de paix pour permettre au peuple palestinien d'établir un État indépendant selon les frontières de 1967 et sa capitale, Al-Quds Sharif.
Et un rassemblement de soutien aux Palestiniens est prévu tout à l'heure, en début d'après-midi, devant l'ambassade de la Palestine, de Palestine à Alger. La société civile joue un rôle important, estime Mohamed Tahar Dilmi, coordinateur du comité algérien de soutien à la Palestine. Il est joint par Rimbo Khatoum. Ce saut qualitatif a eu l'effet d'un séisme dans la formation de la conscience arabe. Il a ravivé l'esprit de la résistance. Les sociétés civiles arabes, musulmanes et tous les peuples libres manifestent massivement, y compris au cœur des États-Unis à Washington, en Grande-Bretagne, en Allemagne, dans les universités à Paris. Des milliers de personnes qui dénoncent les crimes de l'entité sioniste dans lesquels l'Occident est complice. Ces manifestations permettent également d'informer et de mobiliser parce que le silence est aussi un crime. Voilà donc un silence, et un maquillage de la réalité, une forme de censure qui s'adapte à tout multimédia traditionnel ou numérique. Les détails avec Samir Alloun. L'occupation sioniste qui poursuit sa propagande tentaculaire, une façon d'influencer l'opinion internationale, tenter de convaincre un maximum de personnes en se basant sur du mensonge ainsi que sur des campagnes de désinformation orchestrées sur les réseaux sociaux pour à tout prix décrédibiliser la lutte palestinienne. Images générées à l'aide de l'intelligence artificielle, déstabilisation d'internet, fake news, toutes formes confondues, on ne lésine pas sur les moyens, rien n'est laissé au hasard, côté propagande sioniste. Rima Louibi, enseignante-chercheur à l'École nationale supérieur de journalisme et des sciences de l'information. Israël met en exergue une véritable machine de guerre médiatique, une machine médiatique qui sert à justifier, qui couvre la guerre et qui est en train de façonner un certain imaginaire sur la guerre, sur la perception de la guerre, sur la perception de Hamas, sur la perception de la population palestinienne. Tous les médias mainstream, en particulier les médias occidentaux, se sont alignés sur le même mot d'ordre. Il y a une unanimité occidentale pour épouser et imposer le point de vue de la propagande israélienne. Une censure qui s'adapte avec des médias de plus en plus connectés. Certains réseaux sociaux, en l'occurrence TikTok, ont reçu des avertissements de la part du commissaire européen au numérique. C'est pas moins de 500 000 publications, 8 000 directs qui ont été supprimés de la plateforme. Tous sont liés à l'agression sioniste Arza. VisiBrain, la plateforme de veille réseaux sociaux, a recensé pas moins de 166 millions de messages en rapport avec les événements en Palestine depuis le 7 octobre dernier. La résistance palestinienne nous renvoie à celle menée par le peuple algérien contre l'occupation française, d'autant qu'on marque ce 17 octobre la journée nationale de l'émigration, commémorant les massacres perpétrés à Paris contre la communauté algérienne en 1961. Dans un message, le président de la République s'est recueilli à la mémoire des vaillants shuhada, tombés en martyr en cette journée douloureuse. Abdelmadjid Tebboune a salué dans le même temps le haut sens de patriotisme dont font montre les enfants de l'Algérie établis à l'étranger à chaque échéance nationale. Et en toutes circonstances, et justement une délégation de parlementaires algériens s'est rendue à Paris pour participer avec notre communauté à la commémoration de cette journée. On écoute Alel Boutelja, membre de l'Assemblée populaire nationale. Il est contacté par Hanan Saïsi. Si on est là, c'est pour donner une autre dimension au lien entre l'Algérie et sa communauté algérienne à l'étranger qui a beaucoup participé dans la guerre de libération nationale. Au jour d'aujourd'hui, le programme du président de la République, l'État algérien, le gouvernement algérien travaille pour la consolidation des liens entre la communauté algérienne à l'étranger et bien sûr l'Algérie. Pour nous, l'Assemblée populaire nationale, il y a 8 députés qui représentent la communauté algérienne à l'étranger, dans 4 en France, où il y a pratiquement 5 millions d'Algériens qui vivent ici. Et comme cette communauté a participé dans la guerre de libération nationale, elle est appelée au jour d'aujourd'hui de participer dans la renaissance nationale, dans la construction de l'Algérie nouvelle, à participer dans l'économie nationale. Et nous sommes persuadés que les résultats seront là et on aura ensemble une Algérie des meilleures. Le 17 octobre 61, des centaines d'Algériens sortis manifester pacifiquement contre un couvre-feu arbitraire imposé par le sinistre Maurice Papon ont été bastonnés et jetés dans les eaux sombres et glaciales de la Seine. Mohamed Rafir est l'un des témoins de ces événements. Il intervenait ce matin sur nos ondes en compagnie de Linda Tamadrari.
Je ne suis pas le seul, je suis un des acteurs justement de cet événement et j'étais responsable au niveau de Paris. C'est une marche pacifique. Ils ont décrété un couvre-feu pour nous à l'époque, le Papon et le gouvernement français, un couvre-feu pour les Français musulmans algériens. Même le Nord, Français musulmans algériens n'ont pas le droit de sortir de 20h à 5h du matin. Nous, on a écrit à nos responsables qui se trouvaient en Allemagne, en collaboration avec le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. On nous a répondu justement à partir du 17, préparez-vous pour sortir, mais marche pacifique sans crier dans tout Paris. À l'époque, nous étions quand même 80 000 militantes et militants dans Paris et les banlieues. Quand on a dit à nos militantes et militants l'autorisation de sortir, ils étaient contents de sortir justement le 17 octobre, c'est un mardi. Et une minute de silence a été observée à travers le territoire national à l'occasion de cette commémoration, notamment au Conseil de la Nation. La déclaration de politique générale du gouvernement est présentée ce mardi. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman vient d'entamer la présentation. Le ministre de la Santé a installé ce matin un comité chargé d'élaborer un texte ou le texte de la loi cadre sur la prévention et les risques sanitaires. Il s'agit là d'une revendication des professionnels. On écoute le ministre Abdelhak Seyhi au micro d'Hassan Chemmach. Nous sommes obligés de travailler ensemble en matière de prévention. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous installons un comité qui va travailler sur l'élaboration de cette loi et qui va brasser l'ensemble des questions qui sont liées à la prévention. Beaucoup de segments qui concernent d'autres secteurs et notre secteur. Et nous allons donc avoir plusieurs segments dans cette loi qui va permettre de limiter notre rôle et également engager le rôle des autres pour qu'on puisse travailler ensemble également et en même temps éclairer ceux qui sont professionnels de santé ou d'autres qui sont dans le monde de l'industrie de tenir leurs responsabilités par rapport à des questions qui guettent aujourd'hui nos enfants et nos familles et notre population. Quatre prototypes innovants émanant de centres de recherche scientifiques nationaux ont été transférés au groupe Sonelgaz. La cérémonie a été présidée ce matin par le ministre de l'Enseignement supérieur en présence d'autres ministres, notamment celui de l'énergie et celui de l'économie de la connaissance. Kamal Badari a mis en relief les missions inhérentes à ces centres de recherche. Il est au micro de Maïal Kens. Donc nous avons transféré aujourd'hui des prototypes de recherche et d'innovation à la société Sonelgaz. Donc il y a quatre prototypes qui concernent les détecteurs de gaz CO, un système intelligent de détection de ce gaz, un lampadaire complexe qui emmagasine l'énergie solaire et destinée à l'éclairage public et une batterie à lithium. Et on termine avec un mot de sport. En football, la sélection algérienne a été tenue en échec un but partout par son homologue égyptienne en match amical de préparation disputé hier aux Émirats arabes unis. Autre information à retenir également, l'USM Alger qui a un nouvel entraîneur, en l'occurrence l'espagnol Carlos Garrido. Voilà qui termine ce journal et ce 12-13 réalisé par Mohamed Zawi et Erdouane Siassi. Il y avait à la régie d'antenne Yassine Mejahed et à la console technique Morad.